Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Radio PRD. Je suis Vintage Phonic et je suis en compagnie de Zuz. Coucou. De Samix. Coucou. Et d'Horus. Coucou. On espère que vous allez bien et on va commencer tout de suite avec Zuz qui va nous faire un petit point sur l'anniversaire de PRD. Donc oui, je vais vous faire un petit point sur l'anniversaire de PRD. Donc vous avez pu voir que durant tout le mois de mai, nous avons fêté l'anniversaire de PRD. Donc il a eu 9 ans, le 12 mai 2016. Et les animateurs ont préparé plein de petites animations pour fêter ça. Donc il y a eu l'échange de cadeaux animé par Papidio qui... Les cadeaux ont été déposés, ont été mis hier, je crois, donc de l'enregistrement, donc vous pourrez les voir, vous mettra le lien en bas pour voir tous les cadeaux qui ont été faits aux membres. Il y a de très belles choses, des avatars, des signatures, des petites bannières, enfin vous verrez. Ensuite, il y a la carte anniversaire de PRD, animée par Istina, et donc... C'est un petit genre de petit logiciel, une petite application où on peut dessiner une petite chose concernant l'anniversaire de PRD. Donc il y a plein, les membres ont répondu en faisant des petits dessins très jolis. Certains ont des petits talents, d'autres un peu moins, mais c'est l'intention qui compte, comme on dit. Et ensuite, il y a l'animation proposée par Fresh. Qui est les bougies des souvenirs. Donc c'est des témoignages de membres sélectionnés par les animatrices qui donnent leurs plus beaux souvenirs qu'ils ont sur PRD. Donc il y en a, je pense, déjà une bonne dizaine. Donc d'ici ce que la radio soit postée, je pense qu'il y en aura un peu plus. Donc on vous mettra tous les liens dans le sujet en dessous de la radio. Et normalement, Choco vous a fait un petit retour sur le festival de PRD. Et donc, je vous laisse aller écouter la radio précédente pour aller voir ce qui s'est dit dessus. Et je tiens à ajouter que vous aurez un petit point sur les animations de l'été d'ici la fin du mois, en présence de Istina et de Papidio, qui vous expliqueront tout ce qui sera mis en place durant les mois de juillet et d'août. Merci Zuz et merci Horus pour ces petites précisions. Bah du coup, Horus, je vais te laisser le micro pour que tu nous parles des jeux du Méga Flood. Bah oui, merci Vintage. Alors, je pense que vous devez être, certains doivent être grands habitués de cette section, ou d'autres peut-être voyageurs d'un jour. Néanmoins, vous la connaissez tous, hein, et elle est située dans les jeux d'enfants. Je parle évidemment de tous les petits jeux du Méga Flood que l'on vous propose sur PRD. Alors toutefois, sur tous les jeux qui ont été mis en ligne, peut-être que vous avez dû rencontrer quelques difficultés pour certains de ces jeux. Alors, pourquoi vous avez pu éprouver des difficultés? Parce qu'en fait, une minorité de jeux ne comporte pas de règles. Alors, pour la petite histoire, parce que les anecdotes, c'est toujours bien, j'ai moi-même éprouvé quelques difficultés lorsque j'avais joué au jeu nommé Scrabble. Alors, ce jeu, il consistait à reprendre le mot qui était posté par le membre juste au-dessus et d'ajouter soit une lettre ou d'en modifier une. Et après avoir parcouru la demi-douzaine de pages, il me semble, que comporte le sujet, il n'y avait aucune indication sur comment fonctionnait le jeu. J'ai posté n'importe quoi et je me suis fait reprendre par le créateur du sujet. Mais ce temps-là est révolu. Pourquoi? Parce que désormais, en fait, j'ai le plaisir de vous informer que depuis fin mai, Jessa, qui est modératrice sur PRD, elle a eu la gentillesse de créer tout un répertoire récapitulatif de tous les jeux qui sont présents dans Mega Flood, avec leurs règles respectives. Ainsi, lorsque vous aurez un doute sur le fonctionnement d'un jeu, il vous suffira de venir consulter la règle qui se trouve dans ce sujet. Et d'ailleurs, je tiens à adresser un clin d'œil à Carousse, qui a eu la gentillesse de soumettre l'idée au staff. Alors maintenant, c'est à vous que je m'adresse. Parce que si vous voulez créer et partager un jeu avec les membres, il ne faut surtout pas hésiter à publier votre sujet. Parce que nous avons la chance ici d'avoir un Méga Flood et des membres qui sont hyper actifs et qui se font un malin plaisir à s'amuser et se détendre sur ce forum. Et ça, c'est une grosse chance. Alors n'oubliez pas, pour que l'aventure fonctionne, rédigez les règles qui permettront à votre sujet de prospérer.
Merci Horus. Et donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans les jeux de PRD. Alors moi ce soir, je vais vous parler d'une animation qui fait son grand retour sur PRD, Game of PRD, La Guerre des Trônes. Donc, à la base, merci Samix. À la base, cette animation avait été créée pour les 8 ans de PRD, donc l'année dernière. Pour ceux qui n'étaient pas encore là à l'époque ou ceux qui n'avaient tout simplement pas suivi, je vais faire un petit récapitulatif. Le staff a décidé de la relancer cette année. Donc la première session avait été gagnée par les écrivains et ils ont accepté, ou peut-être qu'on leur a pas laissé le choix, qui sait, de remettre leur titre en jeu. Donc le concept, tout simplement, chaque groupe, hors groupe des administratrices et groupe des modérateurs, doit recruter le plus de membres possible dans son camp. Alors comment on fait ça? Bah déjà on donne des pots de vin, hein, soyons honnêtes. Et pour que le comptage soit effectif, une fois que vous avez été, on va dire, recruté, pour ne pas dire débauché, par votre groupe préféré, vous devez arborer dans votre signature la bannière du groupe que vous soutenez. Et ensuite, vous recensez dans le sujet du groupe, qui sera donc dans la partie prévue à cet effet, qui est en général située en haut du forum, juste sous la chatbox. Donc pour gagner, c'est bien simple, il suffit d'avoir le plus de membres possible dans son groupe. Du coup, voilà, donc qui régnera sur le continent PRD? Les écrivains réussiront-ils à conserver la couronne? Le suspense est à son comble et on espère que ça ne durera pas 10 saisons comme la série, quand même. Donc voilà pour moi. Et je vais tendre le micro à Samix qui va vous faire un petit point sur les statistiques de PRD. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de la chronique du mois passé où justement Vinted vous avez parlé de perdre en quelques chiffres pour l'anniversaire. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'outil statistique sur Forum Actif, comment ça marche, qu'est-ce qu'on se trouve dans ces statistiques, mais en tout cas, je vais vous en parler pour perdre. Alors, du coup, on va faire ça de façon un peu plus ludique. Au lieu de vous dire des chiffres, vous allez essayer de deviner les chiffres. Ça va être marrant. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Oui, monsieur. Oui, chef. Alors, à votre avis, déjà, qui est-ce qui commence le plus de sujets sur PRD, à votre avis? Love. Love. Ouais, Love ou Choupa. Choupa Moi, je dirais que c'est Love. Effectivement, c'est Love qui commence le plus de sujets. Elle est juste devant notre fondatrice Ariana. Et à votre avis, depuis qu'elle s'est inscrite sur PRD, combien est-ce qu'elle a posté de sujets? Hein, à votre avis? Je sais pas. Ouais, je dirais comme Plus Vintage, de 1000, oui, 2000. effectivement. Plus de 1000, ouais. Tu veux Exactement. l'exact ou pas? Ouais. Exactement. Non, ça va être difficile de que vous trouviez le chiffre exact. Elle a posté 1172 sujets depuis qu'elle est inscrite. C'est quand même assez impressionnant, hein. On va passer sur le poster le plus actif du mois de mai 2016. Donc ça ne devrait pas être trop difficile si vous suivez justement les jeux dont Rust nous a parlé précédemment. Qui est-ce qui a posté le plus de messages en mai 2016? Bah, je Les dirais jeux? Choupa Choup, c'est une foudeuse. Little Sunshine. Single Voilà. Bird? Je sais pas. Ceux qui ont posté le, enfin, celles qui ont posté le plus de messages en mai 2016, c'était effectivement Choupa Choup, c'est Little Sunshine La qui vache. sont loin, loin, très très loin devant les autres. Ouais, pour être allé sur le méga flow de cet après-midi et ce matin, c'est vrai qu'au niveau des jeux d'enfants, elle est assez forte, elle a posté pas mal de messages. Donc, à Choupa Choup, c'est rien qu'en mai 2016, elle a posté plus de 2000 messages. Hein, je sais pas si vous vous rendez compte. Oh punaise! Ah la vache! Ah ouais, c'est beaucoup! Little Sunshine, qui est deuxième, en a posté seulement 1217. Ça reste quand même pas mal, hein! Et la troisième, qui est Arce, en a posté seulement 612. Oh, mais... Petit joueur! Voilà, Ah ouais. je sais pas si vous vous rendez compte du nombre dans le top 3, c'est quand même assez important. On a parlé donc du plus gros poster de ce mois-ci, mais qui est le plus gros poster de tous les temps sur PRD, à votre avis? Love. Love. Ah, c'est Love, ça j'en suis Ouais, sûr, ça aussi, j'en suis Love aussi. Avec ça, c'est sûr, plus de c'est pas difficile. 38 000 C'est sujets. effectivement Love qui a posté plus de 38 000 messages. Je vais agoniser, je reviens. C'est-à-dire Non, mais pars pas trop 20%. loin. Hein. Non. Et combien de messages a posté, à votre avis, celui qui est en top 5?
17 000. C'est ça, effectivement, ouais. Puisque le top 5, c'est moi. Hein. Voilà. T'es loin derrière, hein, va falloir s'activer. Ouais, mais Battler, ouais, bah, c'est compliqué. Hein. On fait ce qu'on peut, hein, mais bon. On peut donner des objectifs dans la vie. Déjà, entrer dans le top 20, c'est bien. C'est clair. Nous allons passer à une autre catégorie qui est très, très sympa. C'est le nombre de messages moyens qui sont postés chaque mois sur PRD. Alors, à votre avis. Chaque mois? Chaque mois. Combien est-ce qu'il y a de messages postés sur le forum en moyenne, à peu près? À la louche, je dirais 10 000. Ouais, pareil, j'aurais dit ça, 10 000. Moi, je serais un petit peu. À 11 000. Et en russe, tu dirais 12 000. Allez. C'est plus. 20 000? 20 000. On n'est pas à 20 000, non, c'est un peu moins quand même. 14 000. 18 000. 18 000. Voilà, c'est 14 000 messages en moyenne sur les 12 derniers mois. Ah oui, quand même. Qui sont c'est postés sur PRD, chaque mois. Du coup, on va passer à une dernière catégorie. Combien est-ce qu'il y a d'inscriptions en moyenne par mois sur PRD? À votre avis. Une petite centaine. Il y en a 120, 130. Boris, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je dirais pas plus. Enfin, on va dire pour les meilleurs mois, une centaine. Voilà, le mois, le plus gros mois, c'est décembre 2015 avec 100 inscriptions. Ah bon. Sinon, en moyenne, on est à peu près à 80 inscriptions par mois. J'aurais dit plus. Petite erreur, Samix. Parce que le meilleur mois, c'est juin 2015 avec 102 inscriptions. C'est bien, je vois qu'il y en a un qui est sur la même page que moi et qui vérifie les chiffres. Vous trichez. Alors, je tiens à préciser que les trois modérateurs ont des pouvoirs que moi j'ai pas, donc moi je peux pas aller tricher. Oh, moi je triche pas. Je n'ai pas la page ouverte. Bravo. Bref. Donc, on peut voir que les statistiques sur Perlis sont quand même assez impressionnantes, hein. Quand on voit qu'en moyenne, on a 685 sujets postés par mois, qu'on a plus de 14 000 messages postés par mois, et que le nombre d'inscriptions moyen est d'environ 80 par mois, c'est sûr qu'on peut se rendre compte que PRD est quand même très très actif. C'est l'un des forums les plus actifs sur Forum Actif, hein. Oui, c'est le cas de le dire. Donc voilà pour les petites statistiques, j'espère que c'était sympathique à écouter. Donc je laisse la parole à Vintage pour que elle donne la parole à Zeus pour la dernière chronique de cette radio. Bah merci beaucoup Samix, on a encore appris plein de choses sur PRD que même nous on ne savait pas. Donc voilà, et bah du coup je redonne le micro à Zeus qui va finir avec en vous présentant pardon les nouveaux challenges de PRD. Oui, donc si vous avez pu constater que des nouveaux challenges en dehors des challenges graphiques qui vous étaient proposés ont vu le jour sur PRD. Donc il y a les challenges de codage et les challenges de vidéo. Donc niveau codage, ça a bien démarré. Il y a déjà deux battles qui se sont terminées et qui ont eu leur vote et leur vainqueur désigné. Une autre est en cours et donc je vous invite fortement à aller participer. Ça peut faire progresser, vous pouvez choisir sur quoi vous voulez coder. Donc il y a les fiches, les signatures, les catégories, les pages d'accueil. Enfin, vous pouvez demander à peu près ce que vous voulez pour défier quelqu'un au hasard ou alors provoquer quelqu'un en duel, ce qui peut être assez sympathique si vous connaissez quelqu'un qui code et que vous voulez vous confronter à lui pour voir qui est le meilleur d'entre vous. Donc ça, c'était pour les challenges de codage. Et il y a aussi les challenges de vidéo. Donc là, c'est à peu près le même principe, mais les sujets sont imposés. Il y a donc 5 battles de proposés, dont 3 qui sont pour le moment complètes et en attente de recevoir les vidéos. Et il y a 2 qui sont libres en attente de participants. Donc comment ça se présente? Il y a souvent un thème de proposé. Et le reste est complètement libre, ou alors ce sont des contraintes de couleur ou de transition. La plupart des durées, c'est moins de 2 minutes pour éviter le surplus de travail, car ça prend du temps de monter une vidéo. Et donc je vous invite aussi à aller faire un tour pour voir qui est le meilleur movie maker en herbe dans les challenges de vidéo, et vous pouvez aussi provoquer quelqu'un en duel. Voilà ce que j'avais à dire pour les nouveaux challenges que vous pouvez voir sur PRD. Ça fait quand même très moyenâgeux de provoquer les gens en duel, je sais pas. Moi, non, bah ouais, mais je crois que c'est comme ça que ça s'appelle en plus. Provocation en duel.
Bah écoute, moi je Oui, trouve que tu c'est plutôt sympa. pétilles. Provocation au duel, c'est ce qui a marqué. Moi je dis ce qui a marqué. Bon bah voilà, bah écoutez, nos chers auditeurs PRDésiens, n'hésitez pas à venir donner vos avis dans les challenges et puis qui sait, à participer vous-même. Donc voilà, c'est la fin de cette nouvelle édition de Radio PRD. Je suis Vintage Phonique et j'étais en compagnie de Samix, Au revoir. de Horus Bonne soirée. et de Zuz. À plus. À la prochaine!